Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog canari. L'état de santé de ma femelle blanche s'est malheureusement considérablement détérioré. Elle fait un mal de ponte, c'est-à-dire que l'œuf est resté coincé dans son ventre ou s'est cassé dans son ventre. Donc là, je suis en train de lui faire des soins. Je la mets au-dessus de la vapeur pour essayer de dilater le cloaque et détendre le ventre. Et j'ai aussi massé son cloaque, mais la pauvre là, elle est épuisée. Et voilà, je m'en suis rendu compte trop tard. De vous retrouver aujourd'hui, je suis sur la route parce que j'ai passé le week-end à la campagne. Sur la route du retour, je vais chercher la petite femelle moineau du Japon et voilà, et ça va être chouette. Donc je vous emmène avec moi. C'est une belle journée qui s'annonce. On a le mont du Pila, on est dans la Loire, le mont du Pila pile en face de moi. Je la relâche. Ah voilà. Ça y est. Voilà, c'est super. Voilà. Après, voilà, j'en mets. Ah oui, c'est mignon. Ils sont très très beaux, hein, vos oiseaux. Là, la petite mutation blanche. Ça, c'est un kékériki ? Non, 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 ça c'est une peluche Catherine. Ah, je connais pas. Par contre, ça, c'est kékériki en dessous. Ouais, c'est un kékériki. Trop beau. Elle a une petite coupe froide, donc je suis en train de me soigner. Elle est à l'hôpital. Voilà, à l'hôpital. Bonjour. Je l'ai séparée des autres. Ah, ils sont beaux. J'en ai un produit. Ça aussi, c'est des Catherine. J'ai acheté cette année qui était à l'intérieur. Ils sont belles. Je suis obligée de les laisser à l'intérieur. Et puis, dès qu'il va faire beau, ça va tout passer dehors. Ils sont magnifiques, vos oiseaux. Franchement. Magnifique. Ici, il avait été élevé à la main, donc il n'est pas trop heureux. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, bah, retour à Lyon. Bonjour.
ça y est, les petits sont sortis du nid. On a un petit aventureux. Je pense que c'est le premier né, ce qui est né 12 heures avant le deuxième. Ça y est, ils sont sortis du nid aujourd'hui. Lui, pour l'instant, il est moins aventureux. Il reste dans son petit nid. Mais lui, ça y est, il gambade. Et on est le 20e jour. Trop marrant. Alors, je suis partie un petit week-end, deux nuits. Et je vais regarder s'il y a des œufs. Je sais pas, je pense que oui. Ouais, deux œufs. On va les enlever, on va remplacer par des factices. Ah, c'est trop chouette. Ouais, j'ai deux œufs. Magnifique. Voilà, j'ai remplacé les deux œufs. Comme ça, je vais attendre que la ponte soit finie pour remplacer tous les vrais œufs une fois qu'elle aura terminé sa ponte. Ah, je suis très très contente. Magnifique le nid. Voilà le nouveau venu. Et c'est pas une mademoiselle, c'est un damoiseau. Il chante, c'est un mâle. C'est super, j'ai deux mâles maintenant. Bonjour, je suis tout petit, je suis sur un perchoir, comme papa, comme maman et comme papa, mais moi je suis plus timide moi. Ça y est, tout le monde sort. Mais hier je t'avais vu et t'étais sortie toi aussi, petite intrépide. Un troisième œuf que je vais enlever de suite. Petit intrépide numéro 1 a été rejoint par intrépide numéro 2. Bonjour. Donc là, on a la femelle qui est dans le nid. Elle allait vérifier, je pense, ce que je suis allée faire. Le mâle qui est devant. On en est à trois œufs, aujourd'hui. Et tous les jours, je vais vérifier pour enlever les œufs. Pas remplacer par les factices, parce qu'ils ne savent pas compter. À partir du moment où j'ai remplacé, par exemple, le premier ou les deux premiers œufs, ça suffit. Mais c'est très chouette. Bravo, petite mère.